Pour ce 68e webinaire, on va parler du management à la facilitation. Voilà. Alors, j'ai rajouté aussi d'une fonction à une posture. Voilà, le manager, c'est plus une fonction et la facilitation, c'est plus une posture. Tiens, j'ai déjà mis quelque chose dans le champ. Voilà. Alors, donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, mais les gens ont l'habitude. Alors, introduction. Que vous soyez manager, coach, formateur, et ça, c'est aussi une petite nouveauté chez moi, c'est qu'avant, j'avais vraiment des formations qui étaient très orientées manager ou très orientées coach, formateur. Et Alice, elle peut le dire, parce qu'elle était dans la dernière formation qui s'est terminée vendredi dernier, dans cette formation-là, il y avait des gens comme Alice qui étaient plus dans le management et d'autres qui étaient plus comme formateur. Et j'ai dû adapter et je m'aperçois que c'est beaucoup plus riche, voilà, puisqu'on utilise beaucoup plus l'énergie. Donc, que vous soyez manager, coach ou formateur, dans ce webinaire, je vais vous partager vraiment comment devenir facilitateur professionnel en intelligence collective, leurs outils et les outils, que ce soit au service, soit vous en faites un métier ou soit vous êtes manager. Voilà. Et les consultants, oui, les consultants en règle générale, Pascal, ouais, les consultants en règle générale. Hein. Quand je dis coach, formateur, c'est les consultants en règle générale. Fait. Merci Pascal. Et pour acquérir vraiment de nouvelles compétences simples, souvent je fais des choses simples, on ne fait pas des révolutions, on va faire des choses simples, on va faire beaucoup de subtilités, beaucoup de détails dans l'interaction humaine. Voilà. Ce n'est pas d'apprendre grosses choses, c'est de prendre des petites choses, par contre de les maîtriser parce que ça, ça vous donne beaucoup de puissance. Voilà. Et sur la gestion des équipes, que ce soit des équipes qui sont régulières, ou des équipes qui sont éphémères, voilà, ou des processus qui sont éphémères. Ça, c'est important. Alors, juste une chose pour dire que je vais parler d'un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 2012, où j'ai travaillé beaucoup avec Robert Dix. Ceux qui ne connaissent pas, allez taper Robert Dix. Voilà, avec notamment une de ses... un de ces témoignages où j'ai été d'abord facilitateur en intelligence collective et aujourd'hui je suis un des 6-7 formateurs mondiaux pour développer l'intelligence collective en son nom, voilà, et sur son programme. Voilà. La question, pourquoi la facilitation? Alors, d'après vous, vous prenez un petit bout de papier, vous mettez les réponses dans le chat, hein, vous mettez juste 1, 2, 3, vous allez voir les numéros. Est-ce que c'est pour engager, pour vous impliquer et engager plus les individus? Pour augmenter la communication, si la facilitation, ça vous intéresse. Pour mieux gérer les différences, les cultures de gestion. Voilà. Pour se former et acquérir rapidement de nouvelles compétences. Pour devenir expert et légitime dans des dynamiques de groupe. Pour modéliser les facteurs de réussite de la cohésion des groupes. Pour créer vos propres processus de A à Z, pour transformer les résistances au changement, qu'est-ce qui vous intéresse dans la posture de facilitateur? Il y a peut-être tout. Donc, mettez un petit peu des numéros là dans le chat pour voir un petit peu. Tous Alice. Ah, c'est clair. OK. Tous également. Tous un pour engager, impliquer plus. Voilà, lui, c'est plus l'engagement des. Oui. L'engagement, hein, c'est important. Il faut savoir qu'il y a 6% des personnes qui sont engagées en France. Abdel, qui vient d'apprendre un poste de management, augmenter la communication et améliorer les interactions. Ouais. Tous, Eric. OK. Voilà. Donc, voilà. Parce que la facilitation, ma manière de faciliter, elle est vraiment… j'ai mis les 8, hein. Il y en a plus, mais j'ai mis les 8 principaux pour moi, pour la facilitation. Alors, il y a encore des choses, je regarde tous. Virginie, alors, ah, je n'ai pas vu Virginie, c'est passé trop vite. Alors, 1, 2, 3 et 8. OK, super. Parce qu'il y a des fois des réponses qui arrivent en même temps, donc j'en vois une, mais je ne vois pas l'autre. Alors. Question du jour, pareil dans le chat, pour vous, quels sont les facteurs de réussite d'une bonne animation? On ne va pas parler encore de facilitation. D'une bonne animation,
Facilitation, les gens ne savent pas trop une animation. Voilà. Si vous avez l'habitude d'animer, par exemple, des réunions ou des choses. Alors, Pascal, ah ouais, mais voilà, lui on voit qu'il est déjà en avance. Un cadre, oui. Virginie, l'écoute et le dynamisme. Pascal, je me tais. Mais non, ne te tais pas, Pascal. Voilà. La préparation, Alice. Oui. Pas d'ego, tous égaux. Ah, j'aime bien ça. Ah, je vais te le reprendre, lui. Pas d'ego, tous égaux. Ah, ça me va, ça. Motivation, engagement des participants. Un cadre et la parole. Ouais. Faire participer tout le monde. Oui. L'interaction. Oui. Vous pouvez dire plusieurs choses. L'écoute, oui. L'animateur en recul, oui. L'inclusion, je pense, hein, Pascal. Voilà. L'échange, ouais. L'animateur qui donne la parole, oui. Faire participer dès le début en faisant se présenter, oui. OK. Voilà. Favoriser l'échange entre les, je pense, les personnes. Ouais. Super. Donc, vous voyez, il y a déjà plein de facteurs de réussite. L'empathie, le déroulé. Oui, Alice, le déroulé. Pair, les pairs. Ah oui, les pairs comme ça, oui. Pas peer-to-peer, oui. Les pairs comme ça, oui. Ah, j'aime bien les pairs comme ça parce que je suis vraiment sur le plan. Oui, le déroulé, le plan. Oui, le plan d'action. L'objectif de la séance. Alors oui, non, l'objectif de la séance. Ouais, mais je prends le silence, oui. Alors, tout d'abord, ma définition de la facilitation. La facilitation, il y a, comme dans le coaching, il y a plein, 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 plein. La carte, Pascal, oui. Il y a plein de définitions. Ma définition. Après mes expériences. Un facilitateur facilite et rend facile la qualité des interactions en prenant soin des individus. Donc l'interaction, pour moi, et il facilite un processus connu ou co-construit de A à Z. Construit, si je suis seul, des fois je construis tout seul mes processus, et des fois je les co-construis à partir d'une feuille blanche, on va dire. Dans quel but? Je l'ai mis là, pour créer avec un collectif une émergence. Et l'émergence, c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé seul. L'émergence, c'est ça. C'est de réunir un collectif et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et on ne sait plus d'où c'est venu. Ça appartient à personne et ça appartient à tout le monde en même temps. Donc, c'est un paradoxe. Appartenir à personne et tout le monde en même temps. Et ça, j'adore ça. Ça, vraiment, c'est vraiment ça la facilitation d'une science collective. C'est un peu la magie. Les gens disent c'est magique, ben oui, mais pour y arriver, ben c'est pas si magique que ça parce qu'il y a des processus derrière. C'est ma définition. Pour moi, je vais vous partager cette étape pour devenir facilitateur d'intelligence collective. Si vous faites ça, logiquement, ça va marcher. Je vais vous donner ce que je fais tout le temps pour devenir facilitateur d'intelligence collective. Alors, première chose. C'est d'abord mieux se connaître, connaître ses forces et ses faiblesses et comprendre les différents types de personnalités. Là, c'est facile parce que déjà, avec la formation gratuite que je vais vous donner, normalement, ça répond déjà à ce premier niveau. Donc déjà, ce premier niveau, logiquement, vous pouvez y arriver assez facilement grâce à la formation que je vais vous faire. Par contre, Alice, hein, tu as vu ce qu'on fait aussi en formation, ça peut aussi apporter d'autres clés alors qu'on y va un petit peu plus loin. Alors, ouais, bleu. Bah, t'as une deuxième bleue, Irène. Hein. Vous pourriez faire un concours toutes les deux, Irène et Alice. Deuxièmement, construire son cercle de réussite pour s'aligner avec plus d'authenticité. C'est très important, l'alignement. Rigolo avec Alice. Très important, l'alignement. Car un des facteurs de réussite de l'intelligence collective, donc du facilitateur de l'intelligence collective, c'est son alignement, c'est son authenticité. Et là, il y a d'abord un travail personnel qui prend l'alignement, c'est entre 3 et 6 mois. J'ai des gens ici, ils ont mis entre 3 et 6 mois, peut-être plus longtemps.
Ouais, longtemps. Ça dépend ce que tu appelles longtemps, hein, Pascal. Pour les gens qui ne savent pas, longtemps, ça ne veut rien dire. C'est plutôt, toi, tu es plutôt dans 4-5 mois, 6 mois, voilà. Il y a des gens qui arrivent à s'aligner assez rapidement, c'est 3 mois quand même. Voilà. Qui ont fait 90% du boulot, on va dire. Après, il y aura toujours des ajustements. Voilà. En se reconnectant, bien sûr, à ses patients, en exprimant une différence qui fera différence à travers une vision inspirante. Ça, c'est super important. C'est de l'alignement. Et ça, un facilitateur, c'est important pour savoir qui il est. Vraiment, de travailler sur lui-même. Là, je vous ai mis, vous aurez aussi le replay sur aligner son projet qui vous donnera déjà d'autres manières. Je ne vais pas reparler de l'alignement aujourd'hui, mais vous avez comment dire, un webinaire en replay. Oui, le pourquoi de Simon Sinek, on est là. Avec le cercle de réussite, on va un petit peu plus loin que le cercle d'or de Simon Sinek, et notamment le why de Simon Sinek. C'est une approche un petit peu différente. Et on le fait surtout d'une manière qui n'est pas cognitive. C'est surtout ça la grande différence. Deuxièmement, mieux connaître les personnes autour, puisque le facilitateur va faciliter les interactions. Donc, il faut qu'il sache ce qui va se passer entre les deux. Et une bonne manière, c'est qu'ils connaissent ce qui est en face. Déjà, de se connaître, c'est bien, mais de se connaître en face, c'est mieux. Parce qu'il va commencer à percevoir ce qui se passe dans les interactions humaines. Parce que, à partir de là, il va avoir à sa disposition des manières de rendre plus fluide et plus facile ce qui se passe dans le champ de la relation. Le champ de la relation, ce sont les interactions, le champ. Voilà, ça, c'est important. Rendre plus fluide, pour rendre plus fluide l'interaction humaine, il y a un truc tout bête, c'est d'utiliser l'intelligence émotionnelle. Parce que quand les gens vous disent « ça a été fluide aujourd'hui », c'est que le facilitateur a utilisé l'intelligence émotionnelle et pas l'intelligence cognitive. Donc, quand les gens m'ont dit, ouais, c'est super, Eric, aujourd'hui c'était fluide, eh bien, je peux vous dire que là, j'ai utilisé l'intelligence émotionnelle pour rendre plus fluide. Et l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance. Donc, c'est d'utiliser l'intelligence émotionnelle. Donc, ça, c'est très important. Et souvent, dans les facilitateurs, souvent, quand je forme les gens, je leur dis, allez, tu descends, hein, n'est-ce pas, Alice? Tu descends, tu lâches le cognitif et tu vas dans l'émotionnel, tu vas dans ton corps. Et ben, c'est ça. Le troisième, c'est connaître vraiment les fondamentaux de l'intelligence collective et tout ce qui fait la générativité, générer quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça, moi, mon intention. Ce n'est pas mon objectif, c'est mon intention, c'est que ça émerge. Voilà, c'est tout. Hein? Et là, il y a plein de choses. Il y a mettre les gens en résonance, il y a utiliser le champ, c'est utiliser la puissance de l'intention, c'est utiliser toutes les intelligences. Alors c'est vrai, un petit peu, beaucoup moins le cognitif, mais utiliser l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intuition somatique, celle du corps. Utiliser les fondamentaux tels que pour créer l'émergence, il faut d'abord mettre les gens en résonance et utiliser les synergies, les différences. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est utiliser toutes ces différences, ces synergies. Et souvent, d'avoir beaucoup de différences dans les équipes, eh bien, ça fait peur à des gens parce que la diversité, eh bien, il faut la gérer. Voilà. Scorer, c'est faire les scores, c'est de modéliser. Voilà. Catalyser justement les facteurs de réussite qu'on a modélisés grâce à l'opération qui est le score. L'intention, c'est important parce que l'intention, j'ai mis deux fois, focalise l'attention. Si vous voulez être concentré, si vous voulez augmenter votre concentration et la concentration des équipes, ce n'est pas en essayant de se concentrer, c'est en augmentant votre centrage. Comme disait Einstein, on ne peut pas régler un problème où c'est créé, vous ne pouvez pas vous augmenter votre concentration en vous concentrant. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est en augmentant votre centrage, votre état de présence, que vous serez plus concentré. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc, c'est les états de résonance. Plus vous serez en état de résonance, plus vous serez concentré. Ne cherchez pas à vous concentrer par la concentration. C'est bizarre, mais c'est comme ça. La pyramide de 10, la pyramide du succès et bien d'autres outils, justement, pour bien connaître les fondamentaux de l'intelligence collective. Et ça, c'est tout le programme de Robert Nils.
Après, dans facilitation intelligence collective, il y a intelligence collective, mais après, il y a facilitation. Et là, c'est connaître vraiment toutes les étapes, un peu comme des pièces de puzzle. Hein. Vous avez vos pièces de puzzle, hein, vos facteurs de succès, la facilitation, et comment après les agencer, les ordonnancer, justement, pour créer quelque chose de magique. Parce que l'ordre est important et les pièces sont importantes. Donc, il faut avoir les bonnes pièces. On ne va pas jouer aux échecs avec des pions de dame, il faut avoir vraiment les bonnes pièces. Et essayer de jouer avec les pions blancs et avec 2 coups d'avance. Et une fois qu'on a ces processus-là qui sont modélisés et qui sont vus à la loupe, parce que souvent des petits détails vont faire la grande différence, et bien là, vous aurez les bonnes bases pour faire de la facilitation. Voilà. Donc j'ai mis quoi? L'inclusion, le déclusion, le cadre, les énergies, les humeurs, les ressentis. Voilà, les ressentis, hein, comme les sciences émotionnelles, la préparation, hein, comme disait, je crois, c'est Alice, l'auto-analyse, voilà, l'analyse, être aussi dans un état de simplicité, le feed-forward, la co-création, l'écriture des déroulés, la collaboration, le leadership tournant, la logistique, etc. Donc, c'est vraiment d'acquérir vraiment des outils, des méthodes, des processus, des modèles, et d'améliorer ces modèles. Ça, c'est important. Là aussi, j'ai un autre replay sur l'art de la facilitation. Après, cinquième chose, c'est de connaître aussi un petit peu tous les outils. Voir les outils, pourquoi c'est faire et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et après, justement, une fois qu'on a les outils, on peut les apprendre, peut-être même sur des livres, comment on va pouvoir mettre tous les fondamentaux de l'intelligence collective, de la facilitation, pour les catalyser et puis les rendre encore supérieurs. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais un co-développement, eh bien, je peux vous dire que certes, il y a derrière tout le processus de champagne et paillettes, du co-développement professionnel, mais derrière, j'ai inclus des facteurs de réussite de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, mon co-dev, eh bien, il est beaucoup plus puissant que ce que je faisais il y a quelques années au début de mon co-dev. Eh bien, tous ces facteurs de réussite, je les ai mis dans mes autres sites. Je les mets dans un work café, je les mets dernièrement dans un processus qui est très puissant, qui est le forum ouvert, où on a réuni avec une de mes collègues qui n'est pas là ce soir, peut-être qu'elle est arrivée, Marion, et ben on a vraiment fait quelque chose à deux, on a fait l'émergence à 40 personnes, et je peux vous dire que le forum ouvert, on ne l'a pas fait comme c'est marqué dans les livres, on l'a amélioré, on l'a ajusté, on l'a trifouillé, parce qu'il y avait le codev, il y avait ces contraintes d'environnement où on ne pouvait pas être 40 dans une salle, parce qu'on ne pouvait pas être plus que réunir 6 personnes. Donc, toutes ces contraintes-là, on est obligé de transformer le codaire et en étant encore plus intuitif, plus imaginaire. Donc, ce forum-là arrive. Ils voulaient avoir 5 idées. Ils sont repartis avec plus de 40 idées. Voilà, c'est ça aussi la magie, c'est que je leur disais, mais faites attention, faites confiance au processus. Et ils disaient, ouais, mais on voudrait 5. Est-ce qu'on va être capable de faire 5 idées? Mais j'avais 40 personnes, j'en aurais 20. On est parti avec, je crois, c'est 36 exactement. Transformation des crashs, le stress, comment le stress en faire un ami et pas une ennemie, comment transformer les croyances limitantes, parce que souvent c'est ça qui bloque justement dans les développements des individus et aussi des équipes. Voilà. Donc c'est tous ces outils-là que vous devez avoir à votre disposition pour vraiment être à l'aise et facile justement dans votre facilitation. Voilà. Puis bien sûr, sans oublier les groupes de mastermind. Voilà. Quand vous allez avoir la posture de facilitateur, faire tout ce qui est énoncé, vous allez pouvoir vraiment pas faire passer les gens dans d'autres dimensions et faire passer les gens des caps supérieurs. Ça, c'est clair. Alors, ça prend quelques mois des fois, et ça vous fait gagner des années. Et souvent, les gens, ils vous demandent des choses qu'ils n'arrivent pas à faire en plusieurs années. Et des fois, vous, en quelques jours ou oui, ou des fois même en peu de temps, vous arrivez à les faire passer, mais très vite, à des niveaux supérieurs. Et souvent, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Un jour, j'ai facilité un comité de direction. Il y avait 12 personnes avec une de mes collègues. On était en co-facilitation. Et à la fin des 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus. Il vient en déclusion, il me dit, Eric, c'est super, on a passé des bonnes journées et tout, mais concrètement, à quoi ça sert? Je dis, tu rigoles, tu fais juste pour me charrier, quoi. Je dis, tu vois, là, ce que tu as, là, c'est ta stratégie pour les 10 années à venir. C'est ce qu'il m'avait demandé quelque part.
Et il s'était pas rendu compte de ce qu'il avait produit, parce que c'était tellement facile et tout, il croyait qu'on s'amusait, mais moi je m'amuse pas. Hein. Je travaille avec plaisir, mais derrière je sais où je vais. Et je l'avais amené à sa stratégie. Et il a dit, ouais, mais attends, dans un mois, je vais faire ma réunion avec tous mes gars et tout, ben, je vais faire mon séminaire. Il a appelé son gars qui fait les webinaires, enfin pas ses webinaires, son designer. Il a mis tout en branle. Il n'avait pas vu qu'il avait, pendant ces quelques jours, construit toute sa stratégie et c'était très clair. Et souvent, les gens ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils produisent. Il n'avait pas eu pris conscience. Et souvent, les gens ne sont pas conscients de l'arrivée. Et à un moment donné, c'est un peu magique parce que il bossait depuis des mois dessus, il n'y arrivait pas. Et moi, en 3 jours avec ma collègue, eh ben, on a fait émerger quelque chose de sympa grâce à son équipe de CODIR avec 12 personnes. Et ça, c'est assez magique, quoi. Et puis, c'est super sympa à réaliser. Une entreprise de Sophia, pour pas Sophia Antipolis, pour pas la nommer. Après, il y a développer votre posture de facilitateur. Je le dis, je le redis et je redirai, le plus bel outil que vous avez, c'est vous. Il y a des gens, ils vont chercher des outils, des outils, des outils, et ils remplissent dans leur boîte d'outils, des outils, des outils. Moi, je dis souvent, j'ai très peu d'outils, mais le plus bel outil, c'est moi. Et le plus bel outil que vous avez, c'est vous. Donc déjà, le plus bel outil à travailler, c'est vous. Faire confiance au processus, faire confiance à vous, lâcher prise, apprendre à lâcher prise, à accueillir, à développer votre intelligence émotionnelle. Ça, c'est super important. D'être aussi, d'utiliser votre intelligence intuitive, c'est-à-dire cet état de présence, mais aussi d'être alerte. Je ne sais pas si je l'ai mis. D'être alerte, voilà. De simplifier les choses, de prendre du temps sur la relation, de laisser de la place à l'ignorance, de laisser de la place au silence, de mettre son ego au service de la vision. Le silence, c'est une des armes les plus disponibles sur le facilitateur. Le facilitateur, c'est un leader qui ne sait pas. Et à un moment donné, c'est le silence, parce que le silence, c'est l'émergence. Moi, ce que je vis, c'est l'émergence. Donc plus il y a de silence, plus il y a d'émergence. Et ça, c'est une posture. Il faut se connaître. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à rompre le silence. Et on n'est pas à l'aise avec le silence. Soyez à l'aise avec le silence. Parce que plus il y a de silence, plus il y a de calme, plus vous serez à l'écoute des signaux faibles, et plus ça sera puissant. C'est tout simplement ça. Et la posture du facilitateur, c'est beaucoup de lâcher prise. Lâcher prise sur le cognitif. Faciliter votre déroulé, mais laisser de la place, c'est du coaching, hein, laisser de la place à l'interaction et au silence. Et là, il y a l'émergence. Et ça demande un peu de temps, ça demande un peu de pratique. Mais le truc, il est notamment là. C'est vous le meilleur outil et c'est vous la meilleure posture. Il y a des grands coachs, quand je me suis formé en 2010, qui disaient, mais n'allez pas chercher des outils. Et regardez, c'est vous le meilleur outil. Et pour se rassurer, on va chercher des outils. Il faut connaître certains outils parce que ça fait gagner du temps. Mais d'abord, le premier outil à travailler, c'est vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est super important. Mais l'entrepreneur, le meilleur outil, c'est lui. C'est toujours vous le meilleur outil. Partez de vous. Et soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Transformez-vous et vous transformez les équipes. Transformez-vous, transformez les personnes qui sont autour. Et en vous transformant vous, vous allez faire émerger les gens. Il y a une personne qu'on a vraiment pris conscience ben, la semaine dernière, hein, je lui fais un coucou à Johanna, et elle m'a dit, bah ouais, hein, le meilleur outil, c'est moi. Ah, je dis, ouais, voilà. T'as bien compris, il y a même peut-être Marion qui l'a dit, c'est hyper important. Hein. Faites-vous confiance et le meilleur outil que vous avez à votre disposition, c'est vous. C'est bien d'en connaître d'autres. Moi, j'en connais pas beaucoup, mais je les maîtrise. Parce que plus vous allez essayer de connaître des outils, ben moins vous allez les pratiquer et moins vous allez les maîtriser. Et notamment, un des facteurs de réussite pour moi, la facilitation, c'est la préparation, pas d'improvisation. J'improvise bien, mais maintenant, je n'improvise plus.
Je laisse une part à l'incertitude, mais j'improvise pas. Et la dernière étape, je pense que c'est une étape que certains ne vont pas me contredire, c'est modéliser. Un facilitateur modélise. Vous prenez un nouveau processus en route, vous modélisez déjà le processus. Et après, vous intégrez, vous incluez dans ce processus-là des facteurs que vous avez identifiés dans d'autres processus qui peuvent servir. Modélisez ça, faites vos recettes, améliorez vos recettes sans cesse, toujours et encore. Et souvent, un petit truc, je vois que dans mes hot seats, je mets par exemple le silence qui est l'émergence, je mets des fois quelques secondes de silence, des secondes. Ça apporte 30 ou 40% de performance en plus, quelques secondes. C'est tous ces petits détails, c'est que de la subtilité pour moi, la facilitation. Soyez subtil, soyez dans l'interaction, soyez observeur, soyez vraiment, moi je me définis comme un horloger, soyez minutieux et vous aurez beaucoup, beaucoup de résultats. Mais ça, il faut modéliser. Modéliser, c'est quoi? C'est écrire la différence qui fait la différence, c'est de l'écrire. Tant que ce n'est pas écrit, vous pouvez le perdre. Combien de processus, avant de connaître la modélisation, j'ai dit super, j'ai la martingale, j'ai oublié de l'écrire et je suis incapable de redire ce que j'avais pensé. Et je m'en meurs encore les doigts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je modélise tout. Dès que j'ai connu Robert Dix, je modélise tout. J'ai des processus qui sont très clairs. Modéliser, c'est dire la différence qui a fait la différence. Vous avez fait une recette, tout d'un coup, on dit « Ah, c'est super, c'est meilleur que d'habitude. » Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la différence qui fait la différence? Et dans tout processus, parce que les processus évoluent, c'est d'utiliser aussi la star, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois supprimer, qu'est-ce que je dois faire plus, faire moins, et quelle est la nouvelle différence qui fait la différence. Et ça vous évite de réinventer l'eau chaude. Une des maladies du consulting, une des maladies du coaching, c'est de dire « Ouais, c'est super, j'ai fait un super truc, maintenant je recommence, on repartit une feuille blanche et on oublie nos expériences. » Parce que ce n'est pas créatif. Ben, c'est une perte de temps. Si vous voulez devenir efficace et prendre plaisir et maîtriser, parce qu'une fois que vous maîtrisez vos processus, vous êtes vraiment dans l'interaction. Quand vous faites quelque chose de nouveau, vous êtes sur le processus et vous n'êtes pas dans l'interaction ni dans la relation. Plus vous maîtriserez vos processus, parce que vous les pratiquerez, parce que vous aurez peu, mais bien, plus vous serez à l'affût des différentes variations dans l'interaction. Il faut être observable. 5 personnes, une équipe, 10 interactions. Il y a plus d'interactions que de personnes, à partir de 3. Donc, c'est là où il y a la richesse. C'est dans l'interaction humaine. Mais pour ça, il faut être vraiment focalisé sur l'interaction. Il faut être observateur. Et pour ça, il faut que le processus, il soit pas pénalisant. Il ne faut pas que vous regardiez votre processus en disant, parce que là, vous allez louper quelque chose. Voilà. Ça, c'est pour moi très important. Et plus vous allez modéliser, ben, moins vous allez vous épuiser, moins vous allez vous disperser, plus vous serez efficace. Vous aurez de l'efficacité dans ces formes. Moi qui suis un feignant, j'adore ça. J'adore ça. Ça fait rigoler toujours en disant t'es pas un feignant, ben si, ben, je suis un feignant intelligent en général, voilà. Hein? Et c'est une manière, la modélisation, de devenir plus sage, aussi bien individuellement que collectif. La sagesse collective, c'est ça. Demain, vous voulez passer à un niveau supérieur de l'intelligence collective, c'est de passer à la sagesse collective. Pour passer à la sagesse collective, c'est de la modélisation. Il n'y a pas que ça, mais la modélisation en fait partie. La modélisation, c'est tirer des leçons de nos expériences. La sagesse collective, c'est tirer des leçons de nos expériences et tirer des leçons de celles des autres. Pas uniquement des nôtres, mais celles des autres. Donc, modéliser quand vous voyez, par exemple, vous lisez un livre, quand vous voyez une vidéo, quand vous voyez un reportage, si vous, tout d'un coup, vous dites, tiens, là, il y a un facteur de réussite, prenez-le, écrivez-le, essayez de le catalyser par la suite en le mettant, en l'intégrant dans vos processus. Il y a des choses qui peuvent être intégrées à beaucoup. Dans tout mon processus, il y a des choses qui sont là et qui sont des fondamentaux. Ça, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, c'est ça.
la modélisation. N'est-ce pas, Alice? Vous aussi, pour devenir facilitateur, vous pouvez, un, mieux apprendre à vous connaître. Déjà, avec la formation gratuite que je vous donne, vous allez avoir déjà des bonnes pistes. Percevoir ce qui se passe dans le champ des interactions, ça, c'est juste observer. Mais avec justement la formation, vous aurez déjà des pistes pour bien observer ce qui se passe entre les personnes. Après, vous pouvez les fondamentaux d'intuition. Ça, vous pouvez les trouver. Vous avez déjà pas mal de choses dans mes webinaires. Vous avez déjà pas mal de choses en facilitation et les fondamentaux d'intuition cognitive. Après, vous pouvez faciliter de quelques personnes. Vous pouvez faciliter des groupes de 2-3 personnes jusqu'à des milliers. Après, vous formez au grand processus d'intuition cognitive. Vous formez ou vous documentez. Moi, je me suis beaucoup formé au codev en lisant le livre de Champagne et Palette, le codéveloppement, le codéveloppement professionnel. C'est le titre, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Voilà. Et après, j'ai modélisé, j'ai pratiqué, j'ai testé, et puis j'ai mis après ma petite sauce au niveau de l'intuition collective. Voilà. Plus vous avez pratiqué, vous avez développé votre posture de facilitateur. Je vous ai donné les clés dans le 6. Et après, modéliser, donc devenir plus sage. Ces 7 points, pour moi, sont la base de la facilitation en intelligence collective. Vous faites ça, vous allez faire de la, je ne vais pas dire des miracles, mais vous allez prendre plaisir et faire des choses qui vont vous surprendre. Moi, j'ai toujours des choses qui me surprennent. Ça va de plus en plus vite, il y a toujours plus d'émergence. Je suis toujours surpris, agréablement surpris. Et je me dis, mais où est-ce que les équipes vont arrêter? On dirait qu'à chaque fois, je dis, bon, ça va, là, ils ont été au maximum, voilà. Mais à chaque fois, ils poussent, ils repoussent les limites. Et donc, ça, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une question d'équipe. Souvent, les gens me disent, Eric, tu as de la chance, tu as toujours des bonnes équipes. Non, je pense qu'il y a. Souvent, le matin, j'arrive avec 100 personnes que je ne connais pas. Et à midi, il y a déjà quelque chose de fou qui apparaît, de l'émergence, des trucs un peu de ouf, le waouh. Je n'ai pas choisi les équipes. J'ai juste mis les processus en place. Le processus de la facilitation, je me suis mis dans une telle posture. Je sais les fondamentaux d'intelligence collective, je mets en place et j'avance et je pratique. C'est à votre portée, c'est pas réservé, c'est pas un talent, c'est juste des capacités à développer. Ça marche. Il y a des gens que je forme dans des processus, je leur montre, ils font une heure ou l'après-midi après, ils ont le top. J'ai eu encore l'exemple la semaine dernière avec le processus pour moi le plus dur et le plus spécifique en intelligence collective qui est le tétralème. Vous dire qu'il y a une personne qui l'a fait pour la première fois. Alors c'est vrai, il lui manquait des petits trucs, mais elle arrivait à un niveau déjà très, très, très haut. Parce que moi, j'ai travaillé dessus, j'ai modélisé, je lui ai donné le modèle et elle a suivi. Il faut juste après un peu de fluidité, un petit peu de pour améliorer. Pour en arriver là, moi, j'ai mis 10 ans pour y arriver. Et j'ai investi beaucoup de choses. Et ça, vous pouvez le faire. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous allez voir, c'est pas des choses où il faut apprendre. Parce que moi, j'aime pas apprendre. C'est des choses qu'il faut pratiquer. L'intuition cognitive, c'est que de la pratique. Donc, pratiquer, pratiquer, modéliser et pratiquer. En général, c'est pratiquer, modéliser, pratiquer, modéliser, pratiquer, modéliser. Vous faites ça. Eh ben, si vous avez déjà tout ça en tête, vous faites une chose à la fois, ben vous arriverez très vite à être un facilitateur en intelligence collective. Parce qu'il y a facilitateur et pour moi, l'intelligence collective. Pour gagner du temps et pour bien investir, et moi, c'est ma promesse. Et vous savez que pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des grandes promesses et je donne encore plus que ma promesse. Pour atteindre mon niveau d'expertise, donc je vous donne tout en seulement 3 mois. Voilà. Pour créer les choses, pour créer l'émergence, parce que pour moi, c'est ça l'intelligence collective. Hein. Facilitateur, c'est lui, il faut qu'il crée l'émergence. Hein. Que personne n'aurait imaginé seul. J'ai fait un nouveau programme, et notamment grâce au feedback, notamment il y avait Alice la semaine dernière, qui est ce soir. Ben, tu vois, j'ai déjà fait quelque chose de nouveau, où j'ai mis plus d'outils dans mon nouveau programme, plus de modèles testés prêts à l'emploi. Plus d'exercices réutilisables et transposables. Voilà. Plus de temps d'expérimentation et de pratique. Voilà. Plus de trucs d'astuces. Voilà.
Parce que je sais qu'il y a plein de trucs et astuces qu'il faut que je partage. Voilà, je vais le mettre. Et avec une refonte complète, alors ça, ça a été très important sur le feedback de la semaine dernière, sur l'ordre des séquences pour une meilleure intégration et pour faciliter l'apprentissage. Il y a un feedback qui m'a été vraiment très, très utile, je crois, c'est Laurent qui me l'a dit, qui m'a dit, bah, tu vois, tu as fait ça et ça, et je trouve que c'est intéressant. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais, et je l'ai fait d'une manière différente cette année. Et ça a permis justement d'avoir des émergences la semaine dernière, notamment sur la pyramide de 10 en mouvement. Il y a eu beaucoup d'émergences, chose que je n'ai jamais eue à ce niveau-là. C'est parce que j'ai fait quelque chose de différent cette année et je me suis dit, ben, quelle est la différence, quelle est la différence? Laurent me l'a confirmé dans son feedback et j'ai tout de suite modélisé. C'est ça le facilitateur. Et je sais que demain, les gens que je vais accompagner, eh bien, je vais pouvoir les accompagner encore plus loin. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc l'ordre a été modifié. Ça, c'est super important. Alors, mais il y aura toujours autant de soutien. Il y a plein de plus. Il y aura toujours plus autant de disponibilité. Parce que je prends plus de disponibilité, je pense que je ne peux pas, mais autant, oui. Voilà. De possibilité d'approfondir les concepts et exercices, puisque je mettrai, comme d'habitude, à la demande des vidéos, des webinaires gratuits. Donc vraiment creuser, parce qu'il y a des exercices, hein, même dans d'autres domaines, notamment le cercle de réussite, ce n'est pas Irène et Pascal qui vont me contredire. Il faut du temps, il faut revenir plusieurs fois, et ce n'est pas en une fois qu'on apprend, il faut faire, pratiquer, revenir, tester, demander, avoir des feedbacks, et donc il faut avoir plusieurs allers-retours. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la formation initiale de Robert, mais moi, c'est ce que je fais, parce que pour moi, c'est hyper important. Temps de partage, du mentoring de ma part, c'est important. Quelles seront les 6 thématiques? Mon programme, demain, il est en 6 thématiques. D'abord, un, mieux se connaître. Ça, c'est aussi révélateur, c'est quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Je l'ai fait la semaine dernière et j'ai vu que quand même, c'est important. C'est un peu la formation gratuite, mais on va aller plus loin. Et j'ai même des idées pour aller encore plus loin. Savoir qui vous êtes, mieux comprendre les autres, et mieux appréhender les interactions humaines et leurs enjeux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la formation initiale d'intelligence collective de Robert Dice, mais moi, c'est une spécialité que j'ai et que je vais travailler parce que c'est pour moi important. Je ne pensais pas que c'était si important que ça, mais je vais la mettre demain dans ma formation. Il y aura tous les fondamentaux de l'intelligence collective, donc ça, c'est tout le programme que j'ai de Robert Dice, et donc voilà. Que je mettrai dans ma formation. Donc, la formation que je faisais jusqu'à présent, c'était ça. C'était les piliers de l'intelligence collective, les intelligences multiples, l'état d'esprit, la transformation des crashs, la modélisation, la catalyse des facteurs de réussite, l'utilisation de la pyramide de 10, par exemple, en mouvement, hein, qu'on a fait la semaine dernière, la spirale de la collaboration avec ces notions de plateau. Ça, c'était important. Notamment, il y avait une personne qui était bloquée la semaine dernière. La notion de plateau, ça l'a débloquée. Et ça, je le savais aussi. Donc ça, c'est normalement la formation que je fais d'habitude en science collective. Ça, ça sera déjà dans le deuxième. Ouais, la pyramide de 10 en mouvement. Hein. Alors en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'Alice qui vient de me dire ça, elle était chez elle parce qu'elle était, elle devait rester chez elle pour des questions de sanitaire hein, parce qu'elle était cas Covid. Et elle a fait cet exercice-là à distance. Donc, moi, j'ai facilité avec les gens qui étaient en présentiel. Et elle, on avait mis comme là la petite caméra. Et elle l'a fait à distance. Et ouais, ça marche. Voilà. Donc là aussi, c'est que je vais pouvoir vous transmettre la facilitation autant en présentiel qu'à distance ou en mixte. Voilà. Les gens qui veulent développer leur business par de la facilitation à distance ou autre, et ben là, j'ai aussi pas mal de choses à vous partager. Voilà. Parce que voilà. J'aime bien aussi des choses techniques et je teste beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. La pyramide en mouvement, et ça a débloqué pas mal de choses. Hein. Je sais que Alice, ça t'a fait avancer. Il y a eu Johanna. Alors, Johanna, n'en parlons pas. Il y a eu Laurent. Il y a eu Marion, il y a eu pas mal de gens où ça a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc ça, c'est le 2. Et la puissance du silence et du centrage. Oui. Ça, je pense qu'il y a une chose à savoir, c'est celle-là. Hein. C'est peut-être le dernier.
Après, je vais ajouter les bases à sa citation. Parce que dans le programme initial, il n'y a pas le côté un petit peu technique, on l'apprend un peu sur le tas. Et moi, j'ai modélisé. On va parler de l'inclusion, des facteurs de réussite, l'écriture des déroulés. Comment on écrit un déroulé? Pas une question simple, mais ben, tant qu'on ne l'a pas fait une fois ou deux fois, ben, on est un petit peu bloqué. Et souvent, ben, j'écris les déroulés avec les personnes. J'écris les déroulés. Moi, j'ai mes déroulés, je sais écrire, donc ça me paraît facile maintenant, mais ça vous facilitera la vie. Sans un facilitateur prépare, donc il y a un déroulé, c'est obligatoire. L'utilisation du cadre. On l'a vu encore la semaine dernière, comment on peut utiliser le cadre. Notamment quand on va préparer un déroulé ou quand on a des doutes, quand c'est la première fois. Bon, on va utiliser le cadre, justement. La co-création. La co-création, c'est la base de l'intelligence collective. C'est la base de la facilitation. Ouais, mais comment on co-crée? Ben, il y a des petits trucs et astuces à savoir. La déclusion, il y a l'inclusion et la déclusion. Important aussi. L'humeur. L'humeur n'est pas l'esprit positif. Comment justement mesurer un petit peu le champ énergétique, l'interaction, voilà, ce qui va se passer demain. Anticiper un petit peu, voilà. Et avant d'anticiper, c'est justement canaliser cette énergie qu'il y a dans les groupes. Bien sûr, l'attention, la force de l'intention. Le timing est déroulé, l'écriture, mais le timing. Et là, il y a des erreurs de débutants dues à la générosité des consultants ou des facilitateurs. Donc, les erreurs à éviter. Comment faire des feedbacks? On va aller plus loin qu'un feedback. Hein, on a fait ça encore la semaine dernière. Il y a l'art et la manière de faire un feedback. Moi, j'aurais demandé un feedback aux gens, mais j'aurais demandé avec un certain processus. Et je peux vous dire que ça change tout. Et l'inclusion justement de tous les facteurs de réussite dans les processus existants. Comment, dans un processus, par exemple, de Codev, comment vous allez pouvoir inclure pour que justement vos processus soient encore meilleurs et que vous sortiez du lot. Les gens que je forme, pour moi, je veux les faire devenir des champions du monde. Alors, c'est un peu ambitieux, mais c'est vraiment des années à des niveaux de performance et de simplicité, très haut. Ça, c'est super important pour moi. Après, on va expérimenter les processus. Mais encore plus, l'inclusion. Parce que la semaine dernière, vu ce que m'a dit maintenant Raphaël, ça m'a donné des idées. Les différents états de centrage. L'humeur. Le cercle de réussite en mouvement. Parce qu'on ne l'a pas fait, mais je l'ai fait dans d'autres trucs. Donc, c'est pour ça que je vais mettre plus de temps pour faire le cercle de réussite en mouvement. L'alignement en mouvement, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Le cadencement somatique. La passion et vision, ça c'est un exercice que j'ai inventé. Voilà. L'imagining de Walt Disney, ça ce qui est dans le programme de Robert. La co-création d'un cadre, ça c'est nulle part. Ça c'est un processus que j'ai fait. Et aujourd'hui, notamment avec la banque à Tigéré au Maroc, je peux vous dire que ça, les gens, ils sont super contents. Et ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire quand vous avez facilité l'accompagnement dans une équipe. Vous prenez une équipe, voilà. Eh bien, première chose, poser le cadre ou incarner ou co-créer le cadre. Utilisation des valeurs, ça aussi. Dans les organisations, il y a les valeurs, mais on ne s'en sert pas. C'est un outil de puissance qui est sous-estimé et qui est sous-exploité. La star, le feed-forward, les facteurs de réussite, l'intention collective d'un projet. Comment créer l'intention collective d'un projet? Et ben tout ça, je vais on va le plus le travailler, on va plus l'expérimenter concrètement. Alors c'est vrai qu'il y aura le déroulé, mais concrètement, comment on va faire? Donc je vais expliquer très peu et je vais tout de suite passer, on va dire, les clés à quelqu'un. Il va faciliter le processus. Et les stagiaires, ben, vont tourner un tour de rôle pour, à un moment donné, faire quelque chose. Donc on va être vraiment, 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 pratiquement, je vais rien faire dans cette formation. Non, c'est faux. En cinquième, c'est quand même d'aller voir des grands outils de l'intelligence collective. Hein, World Café, peut-être des gens connaissent, le Production Café, le Forum ouvert, le co-développement, le brainstorming professionnel, les hauts sites et ses variantes, le cercle de réussite, la pyramide de 10, le tétralème, les groupes de mastermind, etc. etc. C'est de voir comment dire les bases, les déroulés de chaque processus, que ça soit sur des fiches produits, on va dire, comme des fiches produits. Et derrière, dire, ben voilà, on en prend un. Comment, sur ce produit de base, cette fiche de base qu'on peut trouver à droite, à gauche dans les bouquins, comment on va pouvoir le catalyser et le rendre beaucoup plus puissant?
avec tout ce que je vous ai appris. Comment on va faire? Voilà. Et on va faire un peu un mastermind sur les grands outils d'intelligence collective pour les catalyser. C'est ce que je fais naturellement et c'est ce que je veux transmettre, ça. Comment catalyser un processus existant? Parce que souvent, on le prend et puis on duplique. Et puis, on n'ose pas. Et puis, des fois, il y a des bases, la facilitation et l'intelligence collective qu'on va pouvoir inclure dedans. C'est ça que je veux faire. Et une chose importante, parce qu'on me dit, on me le redit, je ne voulais pas le faire, mais en fin de compte, je pense que c'est utile, c'est comment vendre de la facilitation ou de l'intelligence collective. On va faire un truc, c'est renverser le processus. Parce que souvent, les gens ils s'y prennent mal. J'ai fait l'erreur, il y a 10 ans, j'ai fait l'erreur, donc mea culpa. Je sais des erreurs qu'il ne faut pas faire et je sais aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et j'ai repris mes casquettes de commerciaux, de marketeurs et tout, justement, pour renverser le processus, notamment ce qu'on a fait un petit peu sur Alice, avec ce qu'elle a fait avec Marianne et Johanna. Comment écrire une offre différenciante? Aujourd'hui, il y a des choses simples, il y a des modèles, et ça va être quelque chose qui va être rajouté, notamment dans mon programme entrepreneuriat, parce que c'est encore une question qui m'est posée, mais je dis, mais vous avez la réponse, mais en fin de compte, on va faire un processus. Comment simplement, vous, demain, comment faire une offre différenciante, simple, et pas passer 3 heures à faire une offre de prix, une offre commerciale ou ce que vous voulez, et quand, allez, en une demi-heure, il faut que ça soit fait. Donc, être efficace et que ça match. Donc, c'est ça le truc. C'est de prendre un modèle pour que ça gagne du temps. Un modèle, c'est avoir des trucs et remplir les cases. Voilà. Est-ce que j'ai ça? Oui. Alors, j'écris. Est-ce que j'ai ça? Oui, oui, oui. Et faire une offre, voilà, dans laquelle il y a l'essentiel pour justement, même pas vendre, mais faire autre chose. Mais comment faire une offre différenciante? Et ça, je veux aussi le transmettre aux gens que je forme, parce que c'est bien qu'ils pratiquent et tout, mais à un moment donné, pour moi, je suis pas un philanthrope. Je pense que pas les gens aussi qui vont venir me voir. Les gens qui vont venir me voir, c'est développer un business. Si c'est juste pour faire de l'intelligence collective, c'est pas intéressant. C'est de faire un business ou pour pratiquer. Quand on est, par exemple, manager comme Alice, c'est pas faire un business, mais plus faciliter. Donc, soit pratiquer en interne ou soit en faire un business en tant que consultant externe. Pour moi, c'est important. Et après, pour pitcher avec authenticité. Comment on va pitcher? Alors là aussi, j'ai fait un webinaire, tiens, je ne l'ai pas mis sur le pitch, mais comment pitcher? Souvent, un pitch, on y passe des heures à préparer un pitch. Un pitch, quand vous avez fait tout le travail en amont, que je vous ai dit, vous n'apprenez pas de pitch et vous avez tous les pitchs possibles et imaginables à votre service. Moi, j'ai 5 pitchs, je ne les ai pas appris. Et en fonction des personnes que j'ai en face, je vous pitch n'importe quoi, parce que c'est aligné. Je vais utiliser le sac de réussite, notamment pour pitcher. Et donc, ça vous fait gagner du temps. Un entrepreneur, il est dispersé, il n'a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'il gagne du temps, il faut qu'il soit plus malin que les autres. Donc ça, c'est mon programme de la facilitation. Mais plus, c'est que tout ça, j'ai pratiqué, j'ai modélisé, j'ai expérimenté, j'utilise beaucoup les feedbacks. Voilà. Un soutien, pour ceux qui me connaissent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, pendant les formations, mais au-delà. Il y a un programme minimum. Mais demain, vous me demandez, Eric, j'ai besoin de quelque chose, je suis là. On fait peut-être un webinaire si c'est du collectif. On peut faire une réunion à distance. Je mettrai tout en œuvre parce que pour moi, l'épanouissement, c'est important. Que vous épanouissiez, c'est important. Et donc, il y a des ateliers collectifs ou des coachings individuels. Et tout cela sans supplément non plus parce que ce sont toujours des forfaits. Voilà, c'est comme free, il n'y a pas de mauvaise. Je cherche mes mots, j'ai une journée. Voilà. Par contre, ne venez pas me voir si vous n'êtes pas engagé sur l'humain. Si vous n'êtes pas l'humain, ce n'est pas moi qu'il faut venir, il faut voir des gens qui sont vraiment dans la technique. Qu'il faudra travailler, que ça demande du travail et de la pratique surtout. Ça, c'est important. Il faut aimer collaborer. Vous serez avec d'autres personnes. Il faut aimer collaborer, partager. Voilà. La collaboration, c'est super important. Je sais que le groupe, ils ont fait des choses. Là, ils disent, ah, mais on a fait ça, ça, ça. Donc, ils ont fait des choses entre eux. Puis, il y a des fois, ils me demandent, voilà, pour se remettre en question. Venez avec un esprit positif. Si vous venez avec un esprit négatif, c'est pas la peine. Voilà. Venez avec des questions, ouais, pour ouvrir, mais pas en disant, c'est pas possible.
Moi, j'ai eu des gens un jour, ils disaient, oh, mais ton truc, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ben oui, mais si tu ne pratiques pas, moi, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas chez toi? Hein? Et pratiquer, expérimenter, voilà, les outils, les méthodes. Ça, c'est super important. Tester, voilà, tester. De toute façon, vous avez un filet qui est moi. Donc, si vous avez un doute, vous me téléphonez, on prépare, comme j'ai fait avec une personne là dernièrement. Elle m'a dit, voilà, je ne suis pas très à l'aise, j'ai un doute et tout ça. Ben, on a repris le processus qui était l'imagineering, on l'a adapté en distanciel. Et puis, ben voilà, maintenant, peut-être qu'elle a déjà fait depuis, hein, puisque c'était la semaine dernière, ou peut-être qu'elle va le proposer avant la fin du mois. Alors, le nouveau programme de 6 jours, il passe à 9 jours. Voilà. 3 fois 3 jours. Parce que j'ai tellement de choses, c'est que, à un moment donné, même en vidant la bouteille, en virant ce qui n'est pas forcément utile, tout ce qui n'est pas forcément utile, je vais le mettre en fiche, en support, un peu comme dans un livre, dans mon carnet de voyage. Et puis, bah, s'il y a des questions, on pourrait revenir. Mais l'essentiel, il me faut déjà 9 jours. Plus des téléconférences. C'est un minimum qu'on va faire. C'est minimum 9 présentiels et 4 téléconférences. Là, ça, c'est important. Donc, c'est un minimum. On va le faire de deux manières. Ben, soit déjà, vous venez, si vous êtes sur la région du 06, dans mon nouvel espace. Mais attention, je suis limité en place. Et de toute façon, c'est très bien. Parce que j'aime bien les petits groupes. Parce que comme ça, je peux bien m'occuper d'eux. Je veux faire de la qualité. Je veux vraiment m'intéresser à chaque personne. Ça, c'est important. C'est un nouvel espace que j'ai ouvert il y a un mois. Et donc, voilà, c'est à Villeneuve-Loubet pour ceux que ça intéresse. Le prix, c'est 9 jours, 69 heures minimum. Le prix est à 1597. Voilà. Pour ceux qui ont la TVA, ils peuvent récupérer la TVA de 20%. Vous pouvez accéder à la plage, tout ça. Et en plus, je vais offrir aux gens qui font la formation d'assurance collective, nouvelle version, la formation management collaboratif. C'est complémentaire et c'est vous aurez des vidéos, voilà, qui seront et vous verrez une autre manière d'avoir la formation sous un autre format. Abdel Halim, tu vois, toi qui veux peut-être réagir juste sur le management, bah c'est peut-être une formation, voilà, qui déjà te permettrait d'améliorer ton management dans ton entreprise. La citation du jour, l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès Excellent. de vitesse. J'adore. Couper le micro, voilà. J'adore aussi, alors peut-être que ce n'est pas d'Henri Bernstein, peut-être que c'est d'Einstein, mais bon, bah, tant pis pour la paternité, mais j'aime bien. Mais ça, demain, vous serez en capacité de le générer, d'utiliser votre intuition. Parce qu'avec les outils que je vais vous donner, si les gens qui disent qu'ils sont là, ils disent, ouais, mais l'intuition, qui est l'intelligence des génies, j'en ai pas, moi, je vais vous donner des méthodes pour développer votre intuition, pour être à l'écoute des signaux faibles. Voilà, c'est un des. Alors, il y a du bruit, s'il y a quelqu'un qui a un micro, s'il peut le couper. Voilà. Voilà. Donc, ça. Voilà, c'est développer des intelligences que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc déjà, vous allez augmenter la performance. On va déjà chercher vos ressources en vous, hein. Très important. Alors, donc l'intuition, c'est l'intuition qui commet un excès de vitesse. J'adore. Pour les nouveaux, je vous promets, je vous le donne. Formation gratuite. L'art de la communication, 4 formations en ligne. Voilà, il y a plus déjà de 11 000 vues. Ouais, ça monte à chaque fois, ça augmente. Voilà. Comment déjà les bases de la communication, c'est du Jung. Après, savoir qu'il y a 4 types de personnalités, il y en a plus, mais déjà avec 4, vous avez déjà beaucoup de choses. Les stratégies de vente, c'est intéressant aussi quand on va utiliser, comment on va faire une offre différenciante. On va utiliser notamment ça et autre chose pour faire des offres différenciantes. On va utiliser des modèles existants. On ne va pas réinventer les choses, on va les utiliser à bon escient. Et bien sûr, le management comportemental pour améliorer le management en termes de posture. Donc, Abdel Halim, tu vois, ça, toi, c'est aussi, tu vois, c'est gratuit.
Rien que ça, c'est moi, je l'ai payé 4 000 euros, j'ai passé 2 ans de formation et je l'ai synthétisé. Voilà. Voilà. Alors, merci Louis. Le prochain webinaire, comment remotiver en temps de crise?